Salut à tous, auditeurs fidèles de l'âge d'or. Votre labial Dicou est encore là aujourd'hui pour vous narrer et surtout pour vous faire entendre les plus beaux moments de ce que vous aimez le plus au monde, le rock. Et du rock, croyez-moi, il y en aura dans cette demi-heure de liettes et de bonheur. Et pour illustrer tout ce beau discours, transportons-nous en 1979 avec Elton John, Better of Dead. Elton John, Better of Dead. Presque une date historique avec ce titre, puisqu'au cours d'un concert que le bel Elton donnait à l'amphithéâtre d'Universal Studios à Hollywood le 27 septembre 1979, il tombera dans les pommes en chantant cette chanson et ne se relèvera que quelques 15 minutes après pour terminer son concert qui à l'époque durait la bagatelle de 3 heures. 1985, extrait de l'album Class of 55, Carl Perkins, Birth of Rock and Roll. Bonsoir à tous, c'est Dick Rivers, le labial, tout seul, pour l'âge d'or des tubes, pour l'AGD, pour cette belle avant-veille de Noël. Je suis tout seul, Patrick m'a quitté hier pour les pistes enneigées, pour aller passer quelques vacances, et je garde les clés de la maison et les clés de la musique. Alors, évidemment, à cette approche de Noël, à l'avant-veille de Noël, Jean-Patrick Laurent, notre merveilleux programmateur qui, lui, ne m'a pas quitté, m'a fait un programme, on a concocté ensemble un programme vraiment basé sur Noël. Resté dans la même année, en 66, mais en Angleterre, avec un groupe qui s'appelle Manfred Mann. Alors, Manfred Mann, tu connais bien sûr le Doua Didi, le Hubble Bubble, etc., Chalala, etc., etc., etc. Mais, en 66, après le départ de Paul Jones, qui était le chanteur du groupe Manfred Mann, car il faut pas oublier que Manfred Mann était avant tout un clavier, oui, un pianiste qui avait formé le groupe, c'est pas lui qui chantait. Là, à ce moment-là, ils ont enregistré en août 66 d'abord un titre qui s'appelait Just Like a Woman, pardon, qu'il était très satisfait des reprises du disciple britannique qui était Manfred Mann. Et un des gros tubes qu'ils ont eu en août 66 s'appelait Semi-Detached Suburban. En 63, la même année, via eux, frappé très fort avec Surfing in the USA. 1963, les Beach Boys, Surfing in the USA. Tu sais que Belmondo se promène et puis il va écraser une larme devant la maison où est né Frank Sinatra. Tu te rappelles pas de ce film? Pas du tout. Bon, mais il faudra que je retrouve le titre. Ça fera partie d'un jeu, voilà, de la GD, n'est-ce pas? En tout cas, happy birthday, Frankie. Happy birthday, John Warwick aussi. Ah, vous êtes extraordinaire. Mais ça n'arrête. C'est le jour des happy birthday. Mais oui, et elle aussi. Eh ben, elle est née en 1941, elle est beaucoup plus jeune. Elle n'a pas 70 ans. Le 12 décembre, et elle est née à East Orange, l'Orange de l'Est, dans le New Jersey, elle aussi, près de Qu'est-ce qu'elle chante bien? Oh, alors là, ça c'est son premier gros tube, bien sûr, écrit par Burt Bacharach. La chanson, c'est M1 ou elle. 1975, Joe Cocker. You are so beautiful. La radio se mettait en marche. Keep on knocking, but you can't come in. Dun, 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 dun. Vous avez connu le bon temps, pour nous qui avons 20 ans. Le bon temps, c'est maintenant. Monster. David Bowie. Jean Genie. Oui, les 7 sont à l'honneur, mon petit Patrick. Là, je reprends le ton de l'âge d'or. Et 77, on commence tout de suite très fort avec Plastic Bertrand, ça plane pour moi. 1982, John Jett and the Black Hearts. I love rock and roll. Eh bien, mon cher... Et attends, mon petit Patrick. En 1901, le 12 décembre, Monsieur Marconi transmet et reçoit le premier signal radio. Ah. Hein, nous ne serions pas là sans lui. Bah oui, bah merci, monsieur. Merci, monsieur Marconi. Merci, monsieur Marconi. Ça, c'est de la radio. Dick Rivers, dans l'âge d'or de la pop musique. Radio Montpellier.